Hey, hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marois. Ah oui, c'est vrai, mais... Voilà. Les amoureux, comme au premier jour. Marois, elle est juste ouchi oucha, hein? Elle est big. Elle est très big et elle va accoucher, je pense, incessamment sous peu, oui. Ouais, on s'en fiche. On va dire qu'elle est pas, elle est pas en deuil, il faut pas déconner. Est-ce que tu as d'autres choses à... vache, tout ce qu'on a, j'ai toujours pas fait le ménage. Raffiner un cristal. Bah, de toute façon, on y est, voilà, de Caleb. Donc, on va recevoir encore une fois des trucs. Donc, c'est parfait. Oh, le petit bisou qui va bien. Il est donc mardi, 5h du matin. Notre petite Azénor dort. Et nos parents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, petite choupette? Qu'est-ce qu'il y a, petite choupette? Tiens, elle va prendre dans les bras la petite. Faire un câlin. La petite Athéna. C'est Moignon. Son papa, c'est Apollon. Donc elle, c'est Athéna. Et sa sœur, Aphrodite, elle est partie chez les Bad Challenge. C'était l'épisode précédent. Si vous n'avez pas vu. Nushi, nushi. Donne-lui une friandise, Fifi. Trois chats dans la maison quand même. Hein. Il y a plus de chats que d'humains. Ah non, c'est à égalité, pardon. Mais il y en a un autre qui va arriver. Enfin, humain. Vampire, Sims vampire, tout ce que vous voulez, quoi. C'est vrai qu'on est toujours en été ici. Il fait chaud, c'est la canicule. Zut de flûte mince. Très bien. Très bien, mais tu sais quoi, Marouanette? Tu vas nous faire une petite toile abstraite à 100 simflouz et... Ensuite, une toile classique à 100 simflouz également. On verra bien ce que ça donne. Arrgh! Regardez-moi ça. Elle fait du lait chaud. Il y a sa petite fille. Oh, c'est trop mignon. Ah, cette partie avec les chats. Ah, il y a une gamme et lui, il a faim. Mais ici, idiot! Apollo, t'es un peu con. Ah bah, il va tout seul. Bon, laisse tomber. Il a trouvé le chemin de la rédemption. Bon, et puis Caleb, tu vas nous faire encore un petit livre. Livre de genre scénario. Allez. Go. Elle va se barrer. Au revoir Athéna! Où est-elle partie? Elle est là, il fait le petit machin ici, là. Bien sûr, on peut pas voir. Ah si. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eh ben non, on peut pas voir plus voir que ça, parce que c'est mal foutu dans les Sims. Vient de devenir une connaissance de Balou. Balou, c'était un chat. Mais je sais plus de qui. Ah, c'était les anciens voisins. Ou Canaille, il est vieux. Oh, lui, il est mort. C'est pas mieux. Qui c'est qui met la musique aussi fort comme ça? C'est Caleb? Elle voulait dormir. Oh, Fifi! Vas-y. Allez, va t'occuper du chat. C'est trop chelou, on a même les vitres qui ondulent. Je pense que c'est à cause de la chaleur, mais... Je savais pas qu'il faisait chaud à l'intérieur de la maison. La litière. La litière, elle va très bien, la litière. On a vu la litière sale, alors. J'étais pas obligée de mettre le son fort, en fait, tu sais. Ah non!
C'est Cruel Summer? Est-ce que c'est la vraie version? Est-ce qu'il parle en... il chante en anglais? Il lui danse. Bref, allez Caleb, on va pas non plus passer notre temps. Allez, qu'est-ce qu'il y a Fifi? Ah, Marwa vient de finir un chef-d'œuvre. Voilà, on n'oublie pas qu'aujourd'hui il y a l'école aussi pour la petite. Hein. 8 heures, oh putain. Oui, tu vas sécher l'école. J'oublie que j'ai des enfants et que je dois m'en occuper. Tu vas utiliser et tu vas aller à l'école sans manger. C'est pas grave, tu vas manger à la pause midi là-bas. Allez, Azénor! Na cool summer, and you're gone. Ooh, I'm not the only one. Ça y est, on va avoir des bébés. Alors, combien là? Oh, 4600. Oh la vache. Oh la vache. Est-ce qu'on a encore notre. Non. On n'a pas notre petit machin bidule pour accoucher. Oh, lui, il est sur le lit, c'est trop mignon. Alors, on va installer le petit machin bidoulon pour accoucher tranquillement. Je ne l'ai pas. Pourquoi j'ai ça? Charisme évolue 1 pour les nuls. Ok! Très bien. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux. Un petit vampire. Qu'est-ce qui irait mieux dans la décoration? Putain. Cette chambre, hein, elle est petite, hein. On va pas faire ça dans le couloir non plus. Comme ça m'a. Ouais, là, comme ça, hein. Bon, voilà, on n'a pas trop le choix. Couleur, on va mettre comme ça. Et nous allons avoir un bébé Sims. Allez, Marois, ton heure est venue. Fille ou garçon, garçon, fille, chat, chien. Allez, Marois. Yes, Nubu. Allez, allez, allez. On écarte les cuisses, on pousse. Azénor part à l'école. Comme ça, elle ne verra pas de choses horribles. C'est un garçon! Ouais, génial, on aura un chat. Alors du coup, bah, c'est parfait, parce que j'avais le prénom. Ça aurait été une fille, j'aurais été dans le caca. Et le garçon, ça s'appellera donc Aidan. Et il n'y en a qu'un. Oui, tant mieux. Un petit garçon tout blanc. Tu vas pas ranger, non, tu vas nourrir, allaiter et le bercer. Et voilà, on est un petit bébé. Oh, regardez-moi, chien, c'est mignon. C'est très mignon parce que c'est très pixelisé, surtout donc on voit pas tout. Oui, voilà. Marouin, on peut voir la tête de ton fils ou pas? Ou pas? Marouin! Zamoïsa. Putain, il a la dalle. Ouh! Vache! Oh, petit Aidan. Il aura donc les cheveux, ah ben on sait pas, et les yeux, en tout cas, bleu clair. Comme ses deux parents, il n'y aura pas d'histoire. Rieko. Non, on s'en fout. Voilà, bienvenue Aidan. 1084, convention geek. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. On va descendre et reprendre notre toile. Hop, toile classique. Pendant que il y en a rien à branler là-bas, il y a son bureau. Ah, ma cocotte, tu peux réviser assidûment s'il te plaît, même si t'es pas très très à l'aise. Voilà. Marois, de nouveau très très mince comme elle l'a toujours été. Voilà. Tout va bien, quoi. Alors, tu sais que tu es un garçon, là, il vient de naître, mon petit. Nouveau bébé. Ouais. Pas plus que ça, hein. Non, c'est une Nabeshima qui va venir, non? Elle est où, Téna? Avec son papa.
Elle non plus, elle va pas tarder à grandir, je pense. Qu'est-ce qu'il a lu? Panique préparentale. Bon, il va paniquer alors que ce sera trop tard, mais c'est pas grave. Il va quand même aller voir son garçon. Liste de choix. Courrier distribué. Tu iras lui parler, tu iras le dîner, tu iras le bercer. Ça sera pas mal. Marois, t'as fini? J'ai cru que c'était notre ancien voisin. Non. En tout cas, c'est pas quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il doit ramener trop de factures, ce mec-là. Voilà. Et quand t'auras fini ta toile, tu vendras celle-là. 4693 Singles, quand même. Ce qui n'est pas rien. C'est quoi cette tâche-là? Quelqu'un qui est mouru. Tu vas prendre le courrier. Effectivement, encore une fois. Le contraste entre la toile à 4600 et cette toile à 898. Bah oui, mais bon, elle a perdu les autres deux, donc forcément, c'est un peu compliqué. Ok, on a reçu donc les objets anciens, tu peux le faire. Normalement, c'était pour Caleb, mais bon. Vous partagez beaucoup de choses. Elle est sympa cette musique, dis donc. Écoutez, tube de l'été. Alors, Calebout, il a fini son bouquin. Et non, il va se mettre à paniquer. Voilà. Il va voir son fils. Oh, Coucou, Aidan! Alors, je sais, j'ai mis encore un A. Bah oui, mais c'est l'inspiration est venue avec A. Pour les chattes, je savais pas que j'allais mettre A. C'est vraiment venu sur coup. Trop mignon. Alors, est-ce qu'il aura ton grand pif et ton grand menton? On sait pas. Oh. Il aime ça, le gamin. Un vampire de plus dans cette ville. Quelle horreur. Aïe, tu l'as fait pleurer, Caleb! Bah, c'est parce que sa couche est sale. Vas-y, tu vas changer sa couche. Une belle entrée en matière, c'est qu'à de le dire. Une sacrée matière d'ailleurs, vu que c'est du caca. T'es qui toi? Meuf! On te connaît pas! Tu dégages! Oh! Et puis après, tu vas aller vendre à un éditeur ton bouquin. Et l'autre là, moi, oh, elle dort. Nabeshima, non mais franchement. Bon bah du coup tu peux dire à elle de se barrer. Voilà, ma roi elle est occupée. Mais dire salut, mais barre-toi. Allez, barre-toi. Mais pourquoi ils ont mis plein de musique comme ça? C'est marrant. Tu vas prendre une petite douche. D'ailleurs, comment elle va, notre fille? Elle est joueuse. Elle va se faire des amis. Oh, elle est malade. Super. Marwa, ça va. Elle authentifie le petit objet. Tout va bien, quoi. Alors, c'est authentique. C'est parfait. Tu peux remanger, du coup, je t'avais demandé. Et tu vas renvoyer l'objet. 4772! Oh la vache! C'est parfait. Authentifier un objet ancien, un autre couteau. Et on est reparti! Voilà, je vais pas faire ma gaga encore, mais. Je craque! C'est beaucoup trop mignon. Beaucoup trop mignon! Beaucoup trop mignon. Beaucoup trop. Ah bah. Vas-y, Caleb, lâche-toi. Tu devais prendre une douche, toi. J'ai pas l'impression que tu aies pris ta douche, hein, mon petit. Voilà. Putain, la canicule, ça se voit. Il y a tout qui tremble. Ouais, les effets de la chaleur. Puis en ville, bonjour, quoi. J'ai tellement envie d'être à leur place là et d'aller dans la piscine.
Le seul remède sera la piscine, quoi. Soit la petite va bientôt revenir. Une fois qu'elle, elle a... Toi, tu vas venir faire plonger dans la piscine. Tu vas plonger. Puis tu vas faire une bombe. Puis tu vas faire un salto arrière. Puis tu vas faire le saut de l'ange. Attends, ils sont tellement rapides, ces vampires. Qu'à peine on leur demande. Hop. Attention. C'est un plat. C'était pas ça. Alors, Azénar a rencontré Louis. C'est auto-authentique pour Marouat. Parfait, tu vas pouvoir le renvoyer. Elle a reçu 3262 simflouz punaises. Mais on a pété les scores, genre on a reçu plus de 10 000 simflouz en peu de temps. Tiens, tu vas venir ici. Qu'est-ce qu'elle a, elle? T'aimes pas la piscine, mais on t'a pas demandé d'aller à la piscine non plus. Tu vas caresser Fifi. Plonger dans la piscine, tu vas faire une bombe. Du coup, on a raté le plongeon de Caleb. Oui, bah oui, parce qu'il est dessus. Bah oui, mais t'iras après. Cet objet est actuellement... Oui, bah oui, ramène-le Louis. Ramène-le Louis. Alors, là, il va faire un salto arrière. Waouh! Bien! Bon, d'accord. Bah, viens nager, alors. Elle est tendue. Tu vas venir nager ici. Attends, nager avec. Ok. Elle ramène quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Tu vas faire sa connaissance. Louis Fournier. Voilà. Là, tu vas le complimenter. Il se doute pas, lui, qu'on est des vampires, tu vois. Il sait pas. Il est innocent. Ça pourrait te servir plus tard, hein, quand t'auras faim. Il a l'air un petit peu grassouillé, mais ça, c'est pas grave. Et voilà, le truc, il est cassé. Parler de son animal préféré. Complimenté. Voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu... Non, non, non! C'est bon, l'ordinateur. Tu vas plonger dans la piscine, tu vas me faire le saut de l'ange. On a raté aussi le saut de l'ange de Caleb. Caleb, viens là. Mais arrêtez! Vous avez une piscine, c'est la canicule, quoi. Je sais pas ce qu'il vous faut. Alors, Marois et son saut de l'ange. Et c'est un plat. Qui se mange froid. Tu vas éclabousser ton homme, ton mari, ton amoureux. Franchement, j'aimerais trop habiter dans cet appart avec cette piscine, quoi, en plein été. Oh, quel pied. Squat d'amis, super. Tu peux venir du coup nager avec ton ami là? Oui, d'accord. Bah, viens nager quand même, cocotte. Qu'on voit un peu ton maillot de bain. Tu vas aller avec la poussée. Et lui, il va dire: Oh, tu es belle, ma femme. Ça se voit qu'Azénor, elle est longue, hein, par contre. Autant des fois je me plains parce qu'ils se déplacent beaucoup trop vite les vampires, mais là, Azénor, la vache quoi. Ah, rencontrer son nouveau frère, sa nouvelle sœur. Oui, c'est vrai. Oh bah. L'eau est bonne. C'est des longueurs. Et eux, ils sont partis tranquilles. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es malade, tu te fous de moi? Déjà, est-ce que tu peux apprécier la taille de ton écran? Non, tu peux pas. Non, tu peux pas faire grand-chose. Ah, bah oui, d'accord, c'est Rieko qui est là. Salut, Rieko!
Conversation profonde. Qu'est-ce qu'elle a, elle est mal à l'aise. Comment elle va ta fille, à notre nièce? Sans suggestion pour du cake aux fruits. Je pense pas, non. Elle fait des longueurs. Quel pied. Quel pied! Quel hibou! Oui, elle a fini son bouquin. Bah écoute, si tu pouvais réparer ça. Ça serait cool. Illumine la journée, ça va, elle est heureuse, tout va bien. Parler de la température torride. Canicule. Ça va, hein. Quand ils sont, c'est caniculaire, mais ils se disent pas, tiens, tu vas tout arroser et récolter les placements de fruits. Parce que là, avec la chaleur, ce pauvre arbre, il va crever. Ah, mais ça fait des trucs bizarres là, dans la terre. Ouais, c'est rigolo. La température est tellement chaude. C'est orange perdu. Oh, la lune est toujours gigantesque, n'est-ce pas? Eh, mais c'était notre ancien appartement. C'était chez nous avant, on a déménagé. Ah, attends, oui, ça va. Aidan, il y a Caleb qui y va. Parce que je viens de voir qu'il pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Nourris le biberon plutôt, parce que. Oh, Caleb, t'es si nul que ça en éducation? Voilà, ce pauvre petit. T'as pas autre chose à manger que ça, ma petite. Ces petites lunettes de soleil. Ah, faut pas oublier que c'est une vampire, hein, que le soleil peut être nocif pour elle, hein. Oh là là, elle est malade. Elle est malade. Je crois que elle en avait sur elle. Ouais. Tu peux en donner un à ta fillette. Hop. Non. Elle peut pas prendre de médicaments. Attends, elle. Ah bah non, elle l'est plus. Tout à l'heure, elle était malade. Non, elle l'est plus. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu as encore faim? Bah oui, bah écoute. Il n'y avait pas 10 millions de trucs dans le. Si, tiens, tu vas prendre une portion de ça. Si, tu vas faire tes devoirs. Tu pourras discuter avec ton pote, là. Qui c'est, futur petit copain, hein? Bon, moi, je vois loin, hein, dis donc. Pourquoi je peux pas prendre? Non, je ne peux pas faire ça. Je sais pas. Il doit y avoir une interaction déjà de bloquée. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ils se rechantent des chansons, les deux, là, mais c'est pas possible, hein. Pff, et je vous jure. Je vous jure, ils ne s'arrêtent jamais. C'est pas moi qui ai voulu qu'ils soient en couple, hein. C'est eux qui ont voulu. Et vous voyez bien à quel point ils sont fous l'un de l'autre. Ils n'arrêtent pas de se faire des mamours, des chansons, des machins. Allez, hop, un petit crac-crac pour passer la journée. Le truc horrible. Devant le fils. Rico envoie un texto alors qu'elle est dans la maison, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Bon, 19 h, la température a dû baisser. C'est encore la canicule. Enfin, c'est très chaud, quoi. Ok. Mais ils sont partis. Sous la couette. Ils apprennent à leur fils les bases du crack-crack. Très logique. Saleté de chat! Tu arrêtes tout de suite ça! Ouais. Fais semblant de rien, va, sale gosse. Va jeter ça, Marwa, stop. Oh, il crache, hein, saloperie! Oh, dis donc. Regarde, elle aussi, elle crache, hein. Mais! Elle vient de lui dire non! Mais c'est une blague! Soit donner aux animaux. Mais non. Bah oui, mais il est en train de jouer. Ah bah non, c'est bon, ouais.
Elle est malade, mais elle peut pas prendre de médoc. Donc, tu le fous. Si, ça y est, prendre médoc. Ça y est, bien. C'est vrai qu'on avait les petites photos. Compétence 6, éducation. C'est bien, Marouate. Tiens, tu peux ranger ça, du coup. Ranger. Ça, tu l'as piqué. C'était pas chez nous, hein. Quand même, Marouate. Tes devoirs d'école. Dis donc, est-ce qu'on peut fusionner avec quelque chose? Non découverte. Mais attendez, est-ce qu'on l'a pas déjà ça? Tote Yamaka. Relique de la mort, gna. Non, alors bah écoutez, on l'a toujours pas fait. On va le faire, bien sûr, je le retrouve plus. C'est là. On va fusionner avec ça. Hop. Voilà, Zenor a fait ses devoirs. Et donc, nous avons. Ah, putain, comme ça m'énerve, ça bouge. Insérer un cristal. Topaz, alors. On va insérer ça, hein. Qu'est-ce que tu fais? Il y a ta fille qui est aux toilettes. Qu'est-ce que tu viens l'emmerder, là? Mais franchement. Insère. Quand je vous dis. Puis alors, vas-y pour le retrouver dans ce merdier. Non. Là. Mais c'est un cristal. Allez. Moi, ça me fait peur ces trucs-là. Hein. On se souvient qu'elle a failli mourir. Activé. Toute façon, ce sera jamais une mort soudaine. Alors. Elle est bénie! Marois a reçu une bénédiction sous la forme d'un squelette qui sera son assistant. Retransformer en tout squelette, hein, parce que là c'était pas possible. Avoir un assistant mort vivant peut stresser le foyer, mais sa contribution aux tâches ménagères en vaut la peine. Très bien! Azénor a pris ses médicaments. Bah écoute, c'est parfait, t'as fait tes devoirs, tout ça, ma petite. Tu vas bien, divertissement, hygiène. Tu vas faire une petite douche, 22 h? Non, pas un bain, douche. Douche rapide. Et après, tu pourras aller t'amuser dans ta chambre. Tu vas jouer au docteur. Tu vas jouer à la poupée. Puis après, t'iras au lit. Parce qu'il ne faudra pas oublier qu'on aura école aussi demain. Maintenant, il faut qu'on se recale les vampires. Un peu à la nawak. Mais... Ah oui, il est là! J'ai peur. Et je veux dire bonjour. Chaleureuse, c'est quoi? Tiberius Crane. Il illumine la journée. Ça y est, il va faire comme Marois et faire connaissance. Ça y est, tu pourras faire le ménage, mon gars. Tu pourras te présenter aussi amusante. Il est gourmand. Ah, oh, pas comme Caleb. Caleb, il est tranquille au calme, en calbut dans l'entrée. Il se présente aux gens. Oh putain. Bon, tu vas prendre une douche aussi, Marois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont, les minous, là? Il y a trop de minous dans cette maison. C'est trop. Qu'est-ce qu'il y a, Nabeshima? Raconte une histoire. Peut-être que vraiment, c'est pas des chiens qu'on a parce qu'avec un assistant squelette, ils auraient bouffé ses os. Oh, ils font des mamans, mais c'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Je suis trop fan.
enough run. Là, elle prend sa douche. Elle joue. C'est parfait. Son empathie remonte. C'est très bien. Son frère, il est plutôt sage, hein, quand même. Plutôt beaucoup sage. Donc, c'est parfait. Tu sais, au fait, tu veux voir notre trip à Salvadorada? Voilà, regarde. Regarde, c'est quand on était baignés dans le machin. Ça, c'est Marwa qui a découvert qu'elle était enceinte, elle a vomi partout. Tu mangeras un coup aussi, Calebo. Et tu iras me prendre une douche également. Et tu iras... Ah bah non, ce sera le... Je suis sûre qu'elle, elle va aller jouer dans la flaque. Je m'en doutais. Il n'y a même pas le temps. Vas-y, engueule là. Qu'est-ce que tu te... C'est pas grave que la chat, il te regarde quand t'es sous la douche, tu sais. Ils s'en foutent, hein. Ils se rendent pas compte, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caleb? Pourquoi t'as mal au ventre? Oh, dis, la chatte, elle s'en fout de te voir tout nu, hein. Ah non, hein, mais c'est pas possible, hein. Apollon ne boit pas dans les flaques d'eau. Non mais oh. Voilà. Je m'en fous qu'il monte pas sur les plans de travail, je te parle de flaques d'eau là. Mais il est con quoi. Et l'autre il joue avec ses os. Va prendre une douche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Athéna qui grandit! Athéna grandit! Alors, Fifi, on devient une adulte? C'est long leur truc quand même. Et boum! C'est une Nabeshima. Tchou! Oh, on a deux Nabeshima. La Fifi. Et voilà. Oh, la litière, elle est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as, Caleb? Mais t'as un problème, hein? Tu sais pas prendre ta douche. Ah, essuie. Ah si, c'est bon, t'as pris ta douche. Tu vas manger. Manger. T'as plus rien, encore une fois. Tu vas pas me dire que t'as plus rien, encore une fois. Non, t'es... Non, il a plus rien. T'as ça. Tu manges tes deux plasma fruits. Ils sont pas là pour rien, les plasma fruits, hein, ils nous servent à ça aussi. Bon, c'est un peu remonté. Et hop là! Le bisou, la grosse galoche. Genre, oh là, tu m'avais manqué. On s'est pas vu pendant 5 minutes. Moi, j'en pouvais plus, il fallait que je t'embrasse. Allez, elle a non plus rien non plus. Et ça va me saouler. Par contre, t'as la blinde de plasma fruit, cocotte. Va falloir racheter des trucs. Et je vous tiens à vous dire qu'il n'a toujours pas validé ses 14 jours. Hein. Ça fait quand même plusieurs semaines hein, que c'est le cas. Enfin, plusieurs jours en tout cas, c'est sûr. Ensuite. Oh non, je me suis mise clic. Secret de vampire, commander des packs de plasma. Hop! Et toi aussi, tu vas commander Secret de Vampire. Elle a beaucoup plus de trucs, elle, hein. Et on va reprendre aussi quelques packs. Hop! Effectuer 10 activités du groupe. C'est vrai, j'avais zappé. J'ai un peu zappé son inspiration sur le coup, Marwa. Mais ouais, mais en même temps, celle de Caleb ne se réalisant pas. Ils vont encore faire des mamours, mais c'est pas possible. Je l'ai coupé dans son élan. Elle est très enjôleuse. Reprends un coup. Et puis, c'est plutôt pas mal. La petite est partie dormir. En même temps, il est 2 h du matin. Tu m'étonnes. C'est bien. Alors maintenant, pour savoir qui est Nabeshima, qui est Athéna, quand on les voit comme ça. Bon, quand elles ont les yeux ouverts, je veux bien. Mais quand elles n'ont pas les yeux ouverts, c'est compliqué. Hein.
sont tellement la même chose, c'est des jumelles. Ah, bah voilà. Narwa. Marwa est demandée à l'accueil par son fils. Aidan a besoin de toi. Je vais te faire des mamours là, à ton mari. Que t'as un peu de ton fils. Ouais, une bonne chose de faite. On en parle ou pas qu'il y a les trois chats sur le lit? Heureusement qu'ils n'ont pas besoin de dormir là, nos Sims, on pense que c'est pas possible, hein. Avec tous les chats. Ouah, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Donc, allez, bouge, je les fais se baigner tout nu. Mais ils se baignent pas nu. Se baigner sans aucun vêtement avec Marwa. Mais qu'est-ce qu'elle fout, Azenor? Qu'est-ce que tu fais réveiller? Oh là, tu bugs, ma cocotte. Non, 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 non. Odie. Ah, je suis sûre que c'est la chatte qui est venue la réveiller. C'est laquelle? C'est Athéna. Oh bah il doit lui apprendre à pas réveiller les Sims, je pense. Mais voilà, du coup, on devra faire une chambre pour garçon. En même temps, pour l'instant, cette chambre-là, elle reste comme ça. Même quand il sera enfant, je pense qu'il pourrait... Bon, c'est plus une chambre de fille. Alors peut-être que quand Xehanort, elle sera ado, elle viendra ici. Et qu'on changera les couleurs pour Aidan ici, peut-être. C'est très fifi, et là c'est un peu plus bleu, mais plus neutre au niveau des couleurs, mais plus adulte. Je pense qu'Azenor, elle pourra bien se plaire ici, pardon. Alors qu'on n'y est pas encore, hein, elle grandit dans 9 jours. Alors que lui vient de naître. Donc, voilà. Mais arrête de grogner, Marwa. Arrête, c'est tout. Pareil, la température fraîche, ouais. Eh ben, te bénis sans aucun vêtement. Genre, la voisine, elle est dans le coin. L'ancienne voisine est dans le coin. Bah, elle a pas intérêt à rentrer chez nous, hein. Moi, j'en veux pas, hein. Allez. Oh, il y a l'assistant qui vient. Allez, à poil devant l'assistant squelette. Et les chats. Qu'est-ce qui vient? Et lui, il arrête pas d'engueuler des chats, hein. Nique la pousse. C'est vraiment parce que maintenant il fait frais. Nuageux, frais et pluie. Alors que nous sommes en plein été, qui a fait canicule toute la journée. Mais bon, c'est rigolo. Éclaboussé. Donner encore. Non, il illumine la journée. Ils sont morts de rire, les deux. Faire cracra dans le placard. Oh bah attendez. On n'avait pas encore inauguré le placard, c'est vrai, depuis qu'on a emménagé. Tant qu'à faire. Baladons-nous sur la terrasse à voile devant l'assistant squelette. Tout va bien, on n'est pas gênés. Frisson squelettique. Mais c'est pas grave, et puis le petit il pleure. Nous on va les niquer à côté. Ah bah non, il change la couche du petit! C'est trop mignon! Allez! Non, alors. Faire caca avec Marwa, uniquement. L'assistant, tu peux t'en aller? Qu'est-ce qu'elle est canon, cette meuf! Oh là 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 là! Pas très épaisse, mais canonissime. Et lui, il fait ses squelettes. Va ailleurs! Wow, wow, wow! Oh punaise, il a disparu, Caleb! Ouh là là, yeux! Petit problème. Encore une fois, j'ai toujours des problèmes, moi. Et même le truc là, il est parti. Oh, ça fait des gros cœurs. C'est très mignon. Bon, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Voilà, on a eu la naissance de Aidan, le petit frère d'Azinor, un nouveau Vator. Et puis, bah voilà quoi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine! Allez, salut!